me pense, si M. Privert te poursuive bagaille. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Sikovida Faniel, le point. Toujours en tasse d'informations et nous sentons contents, nous réjouis. À chaque fois, nous jouons une opportunité pour nous capables de causer ensemble avec vous et chita sur la plateforme non? Pour nous, bah, aux bonnes informations. Bon, pour un petit temps, pour vous remercier, qui est important pour nous en pile. Je vous aime de tout mon cœur. Pas oublier, partager vidéo ça. Toutefois, que c'est pour la première fois, vous tombez sur la plateforme ça, eh ben, et on va abonner et puis quitter un commentaire pour nous, pour dire nous ça que vous pensez. Mais en pile, chai palou. Dans la vidéo ça, nous poil, bah, ou vraie raison qui fait président Jovenel Moïse pas aller le 7 février. Même les autant de les États-Unis commencer par gros pression, pays commencer par gros pression, les nous chita sous principe, sous fait. Nous avons si yon opposition et gog magog, opposition vicier qui mettait pays à dans sa là. Toute information ça yo, nous voilà ouais yo ensemble. En ce moment, les nous retourner. Voilà. Et nous retournons pour nous capables de continuer et bah aux bonnes informations. Et raison qui fait président Jovenel Moïse pas ta doué aller 7 février. Raison qui fait pas doué aller. Raison qui fait pas ta bon pour l'aller. Et raison qui fait pas pour aller tout. Et nous prenons le faux comme ça tout au cours de vidéo. Nous gagnons et maître André Richer. Et nous connaissons son ancien sénateur, homme crédible, qui fait parler de lui en Haïti, qui prend la bonne raison. Hein. Et avant tout, nous-mêmes, nous prenons d'où qui ça nous pensait. Et pas oublier, président Privert est monté dans le mois février, 7 février. Ben, 2016. Il était gagné un mandat 3 mois pour faire élection pour le président Jovenel Moïse était capable de monter dans le mois mai 2016. Président Privert prend un an. Et il vient faire élection hein, dans la fin année 2016 non, pour le président Jovenel Moïse capable de monter 7 février 2017. Qui pourra le battre 5 ans 7 février 2022. D'après toute logique, pour le président Jovenel Moïse, Tava le 7 février 2021, faut que le président privé lui-même lui parte faire réinscription dans l'élection. Non seulement il fait réinscription, ça démontre son lot élection, lui changer quelques membres dans le KFP1, n'est qu'il refait campagne encore, ça veut dire, eh ben, c'est un lot bagaille par rapport à ça que tu fait déjà. Le président Jovenel Moïse, si n'est c'est pas il a pensé avec cerveau, opposition en ouais, petit peuple en lui-même, il pas rien comprendre. Il a bouillé l'ensemble avec une série de démagogie. Mais il connaît clairement, pour le président Jovenel Moïse Tava aller le 7 février 2021, faut que le président privé ait monté, non seulement pas de changer même dans le KPA, faut qu'il parte relancer une autre inscription présidentielle. Et avec des marchés, ça a vu le président Jovenel légitimité pour qu'il fasse 5 ans mandat. Et tout, nous ne pouvons pas quitter mon individu sans foi ni loi, à quitter nous changer gouvernement, retirer yon, mettre l'autre, transition, et changer gouvernement et pas gouvernement problème pays. C'est vous les Haïtiens qui problème pays. Tout pays met tête ensemble pour être capable d'organiser pays, mais nous faisons le contraire. Bon, quittez-nous ensemble avec M. André Richer, peut-être, qui est capable de nous plus de détails concernant 7 février 2021 et 7 février 2022. Raison que fait le président Jovenel Moïse lui-même, il n'a pas gagné 5 ans et il n'a pas dû aller 7 février 2021. En attendant, M. André Richer, qui est dans la métropole, le point ensemble avec Wendell Théodore. 2021-2022. 2021-2022, même passé, si M. Privert te poursuivre bagaille, j'en ai été doué fait, normalement, c'est à 2021. Mais M. Privert, recraser le conseil électoral là,
li fait un autre conseil électoral, li fait moun réinscrit pour aller à l'élection. Hein? Li pas de casé conseil là, non? Li fait moun réinscrit. Li fait moun réinscrit. Li changer moun tout. Mm. Et puis, puisque ou entre dans le processus de réinscription, ça veut dire tout bagaille est tombé. Bon, pour moi, je crois que M. Jovenel a été élu le 7 février, il prend pouvoir 7 février et 2017. 2017. Donc le président de la République est élu pour combien de temps? Pour 5 ans. Bon, pour moi, il aura 5 ans le 7 février 2022, d'après ce que j'ai compris. Même pas. Ça veut dire que maintenant, gon tranche dans la société, hein, en fait, des politiciens actifs, qui dit que mandat est supposé fini le 7 février 2021. Alors, il n'y a pas d'explication. Il dit que s'il dévoyait des parlementaires aller en 2020, donc faut Jean Piment pas gouverner l'autre nègre. Non, pas quoi que M. voyait parlementaire aller. Il va voyer parlementaire aller. Alors, moi, je reprends pour ça, monsieur. Non, pas quoi que M. te voyait parlementaire aller. Monsieur simplement fait un bagage comme si Mnado que le Parlement, c'est le Conseil électoral là qui fait erreur. Parce que le conseil électoral là, l'on élu, il est supposé avoir un certificat qui dit que le mandat prend fin tel an. Or, ne yo basé yo son bagay dans la Constitution qui fait affaire, à savoir que le sénateur est élu pour 6 ans. Non. Si tout sénateur est élu pour 6 ans et que le Sénat siège en permanence, et comment le pral siège en permanence là? Il ne va pas siéger en permanence, puisque normalement, pas bien sénateur. Puisque tout pral aller. Et puis, à ce moment-là, ça arrive, c'est que, yo mandé, argument yo, c'est que, monsieur, même Jean te voyé, n'est yo allé, c'est pas les mêmes, parce que si l'élection était faite à temps, le Parlement était là. Le Parlement avait pour devoir de faire une loi électorale là pour l'élection était faite, puisque l'élection n'est pas faite. N'est-ce pas élu pour 4 ans, yo allez. N'est-ce pas élu pour 2 ans, allez. N'est-ce pas élu pour 6 ans, restez. Pour moi-même, c'est ça, vous comprenez. Mais je ne suis pas d'accord avec vous-même. Non, parce que c'est pas que n'est-ce pas d'accord avec vous, par contre, que... mais je donne mon point de vue. C'est-à-dire que même j'en ai parlé, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec eux tout. Donc par conséquent, puisque nous sommes entre guillemets, dans une société démocratique, chacun a le droit de donner son opinion. Pour se dire entre guillemets. Mais nous sommes entre guillemets parce que une société démocratique fonctionne avec la participation des citoyens. Je dis, c'est pas ça? Non, les citoyens ne participent pas au processus démocratique. Les citoyens croisent les bras. Les citoyens n'essayent pas de comprendre qu'une société démocratique fonctionne avec l'esprit de solidarité et de fraternité. Une société démocratique s'exprime avec le respect de l'autre, c'est pas le cas. De son environnement. Aujourd'hui, nous sommes encore très loin de tout ça. Sénateur, dis-moi, il y a l'autre débat encore aujourd'hui. Hein. Alors malheureusement, on va camper le temps devant nous, on va obliger de camper. Question constitution. Oui. Vous donnez, ou pour un référendum fait vraiment, ou pour une autre constitution, sénateur? Moi, Mabdou, qu'est-ce que je pense de tout ça? Il était du devoir du Parlement d'arranger tout ça. Devoir Parlement, c'est pour le porter changement dans la Constitution, parce que c'est celle-même qui a le droit, ça. L'exécutif peut proposer, mais c'est au Parlement de légiférer là-dessus. Oui, mais ça, c'est si c'était une priorité pour parlementaires, d'accord. Hein? C'est si ça, c'était une priorité pour parlementaires. Non, ça n'a pas le droit en priorité pour les parlementaires. C'est travailler, vous dit. Si son priorité pour la nation. D'abord la nation, après la nation, et ensuite la nation.
C'est ça le rôle d'un homme d'État. Et enfin la nation. C'est-à-dire, tout autant que ou dans l'État, le rôle, c'est de faire marcher l'État. Il faut faire l'État marcher correctement, en respectant les principes, tout le bagaille. Alors maintenant, l'or parlementaire, c'est qui s'allie. L'or parlementaire maintenant. Nègre parlementaire, nègre descend dans le Parlement à 11h. Il va arrêter à midi, à 4h, jeter. Mais écoutez, ça ne se fait pas. Vous êtes là pour travailler. Ah ben, au sens, c'est d'accord avec le monde qui dit que tu as préféré son seul chambre qui gagne. Mon cher Mabdou, moi, je pense, petit cochon, tigresse. Allez-y. Ça veut dire, Haïti est un pays pauvre. C'est un pays où nous n'avons pas de ressources. Conseil de bagaille, l'offre, c'est prestige. C'est prestigieux, c'est gloire, c'est honorifique. Mais aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, d'une réforme, c'est toutes les communes qui devraient être représentées au Parlement et former sa nourrir ou assemblée nationale. Le Sénat, Mabdou, j'étais sénateur. Son m'a dit, remet l'MD sénateur. Mais si je dis là, pour une raison ou l'autre, pour critiquer nous dans des mouna fait dans le pays, ça, j'en ai prêt à dénigrer moun. Par exemple, si tu es sénateur, c'est ton chef volonté, c'est là. Moi-même, si, et moi-même qui doué, si je dirige, je fais pause. Je vais fermer le Sénat, non? Je vais fermer le Sénat, non? Même gens, ils ont démantelé la mia, mais ils n'ont pas fermé la mia, non? Et voilà, c'est là que nous mettons fin dans le bulletin d'information pour le moment. Si là, on va toujours être fait Chanel, Sikovi Daphaniel, E.Point. Yons amis pour vous, c'est là que vous avez une bonne information, vous avez une bonne médicament pour quoi, avec pour savoir capable fonctionner en bonne santé. En allez, gardez-vous le moral, tant va le moral, tant va la vie. Gardez-vous le moral, tant va le moral, tant va la vie. Bonjour, on se reverra dans une prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Bye bye.